Et salut tout le monde, c'est Aero, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Welcome on Board sur P3DV5.1 Hotfix 1 pour un vol cargo entre Lyon, Saint-Exupéry et Bruxelles avec la compagnie ASL Belgium. Et je suis heureux de vous présenter ce 737 de PMDG version cargo, une première sur ma chaîne. Donc voilà, pendant que le fret se charge, nous allons nous occuper de charger notre plan de vol. Et donc c'est parti pour rentrer dans le cockpit. Allons-y tout de suite. On se rend directement sur le FMC pour entrer notre plan de vol. Je crois que je l'avais déjà importé, mais je crois que j'avais oublié de configurer voilà toute cette page, les performances, etc. etc. Donc on va être léger pour ce vol. Alors à l'arrivée sur Bruxelles, normalement il va y avoir du brouillard. Donc on verra bien pour notre arrivée, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. On prépare notre vol et nous allons voir plus tard. Alors tac tac, je regarde un peu. Alors tac 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 tac. Okay. Allez, transition altitude 5000. Au pire des cas, on va faire l'autre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Après, j'ai juste à... Alors, donc nous avons bien un fuel 6.8, 6.7. Voilà, je vais regarder juste le plan de vol. On va tout de suite mettre le vent. Alors, 154. Voilà, avec une réserve. Qu'est-ce qu'on a comme réserve? Une tonne. Ah, il écrit pas. Voilà, une tonne 1, cost index 15. Et on va monter au niveau 340. Voilà pour ça. Après, on va calculer tout de suite les performances. Alors, par contre, il me faut aussi le brief Active Sky. Hop. Il fait 4 degrés. Il fait un peu froid. Hop. Alors, oui, 190, 3 nœuds, il fait 4 degrés, QNH 1015, et flap 5, et celle 53. Voilà. Après, une accélération à 3500, une réduction 1200, 190. 3 nœuds, slope 0, on va request les winds, et tant qu'à faire aussi, je vais, alors je connais pas la transaltitude au niveau de Bruxelles, c'est pas bien grave, on va aller voir sur les cartes. Alors, c'est 4500. Voilà.
Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. On va rajouter un fixe. LFLL. Avec un range à 25. Ok, ça me paraît bien. On va programmer le départ. Donc ça sera un départ Busil de novembre. Sur la 35 gauche. Ah, Busil. Ah non, c'est 2 novembre. Attends pour moi. Voilà qui est parfait. On va fermer les portes. Alors. Test. J'ai un bug avec ma souris. Atroce. Ok. Ça c'est bon. Bon, je suis pas sur Vatsim, mais j'ai l'habitude de me mettre à chaque fois sur une icom. Allez, on va mettre l'automanette, les FD Flight Director. On va programmer. Alors avant, il faut que je rajoute mon plan de vol sur AS. Alors, LFLN, BBR. Voilà. Ok, ça c'est parfait. Ça c'est bien. Voilà, QNH 1015, ça n'a pas changé. Nickel. Ok, je crois qu'on est bon, je vais vérifier toutes les pages. Alors ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça je ferai tout à l'heure. Ok, là on est bon, les forecasts. Ah, on les a pas chargés. Ok, départ, l'arrivée, on verra ça tout à l'heure. Et on est bon. Le heading de la piste, alors c'est quoi ça? Non, pas ça que je voulais. Le heading de la piste, c'est 35 gauche, donc c'est 354. On monte à 14 140. Voilà qui est parfait. On est plutôt pas mal. Alors on a dit 34 340. Donc seal belt on. Ok. Emergency light sur armée. Les Windows it sur on. Isolation valve sur auto. Donc les packs sur auto. Voilà. On va mettre. Non, logo c'est bon. Les dampers sur on. Et on est parfait, on est pas mal. On va mettre juste LNAV et NAV. On va fermer la porte ici. La porte ici. Voilà, et on est parti pour le pushback. Hop.
Donc j'étais sur l'APU, je crois, il me semble. Je suis sur l'APU, donc on peut remove. Ok, puis on va attendre que les traitements TI se fassent. Parce qu'il fait 4 degrés, donc il va falloir déverser du liquide pour dégivrer l'appareil. Donc on se retrouve dans quelques instants. Donc à tout de suite. De-icing and anti-icing completed. Anti-icing code is flow type 3, concentration at 50%. I'm disconnecting, good day. Et voilà, donc l'antigivrage a été mis sur l'avion, donc c'est parfait. On va attendre que les petits camions partent et nous allons repousser tout de suite après. Vérifie encore une dernière fois, donc throttle sur idle, break set, flap 0, hello captain, we are ready for pushback. Locking gear. Alors. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Et release parking brakes. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Alors on va allumer toutes les pompes. Voilà. Et donc le départ est imminent, on va éteindre les UFB, c'est pas nécessaire. Et allumer les moteurs, back to off. Et on commence par le deuxième. Set parking brakes. Set. Alors, on met ça sur compte. Et c'est parti pour le numéro 1. Locking gear. Sur TA. Tow track disconnected, bypass pin removed. Left is clear, right is clear. Et voilà, les moteurs sont allumés, hop, tac, et on va tout de suite mettre les packs. Voilà, ça me va.
Donc KPUGen, il nous dit que l'APU est quand même disponible, mais on va tout de suite s'en séparer. Alors c'est aussi ici. Je cherchais. On va mettre les taxis, les Renault Ether 9. On va mettre Flap 5. Voilà, on va faire des tests de commandes de vol. Full left, full right. Neutral. Neutral. Ok, neutral, checked. C'est vérifié. Mais on va tout de suite partir. Vérifier un truc. Les props sur on. Et nous y allons, c'est parti. Cette vue là elle est bien. Hop, parfait, nickel. En tout cas elle est vraiment magnifique, cette scène de Lyon. Elle est vraiment pas mal, bien faite, mais elle est consommatrice en FPS. Ouais, elle est vraiment consommatrice en FPS, mais bon. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'elle est super bien faite. Même la nuit, c'est super bien fait. Puis c'est vrai qu'avec la nouvelle version de Prepar 3D, j'ai eu quand même quelques petites améliorations à FPS. Donc c'est quand même pas négligeable. Ils ont fait du bon travail. Mis à part des problèmes avec EA, mais bon, après ça c'est pas très grave ça. C'est pas très très gênant. Allez, on va tout de suite se rendre sur le hold position, enfin sur le point d'arrêt alpha 9 de la piste 35 gauche. On va s'aligner. De toute façon, on n'a pas de trafic, on n'a rien, on est tout seul. Seul au monde, donc normalement on passe direct. Je vais juste m'arrêter avant le point d'arrêt pour effectuer les dernières vérifications et mettre les feux d'atterrissage et les strobes. Voilà, donc on s'arrête. Hop. Allez, on met les feux landing. J'avais ça aussi, ouais, ah oui. Voilà. Bon, on va mettre les strobes. Les bouillons, pourquoi pas. Alors, est-ce que je mets l'anti-ice? C'est un petit peu brumeux, mais ça passe. Ça passe quand même, je pense. Après, je sais plus. Je sais plus si s'il faut le mettre ou pas les anti-ice. En tout cas, je les mets pas. TA Array. Nickel. Et on s'aligne. Autobrake sur RTO. J'ai oublié. Alors, je regarde ma VRAM. On a 7.7, ça va. Ok, on s'arrête. Je vérifie la météo pour rentrer, donc mes vitesses V1, donc. Ah, le vent a changé. Le vent a changé. Je vais régler ça tout de suite.
5 degrés. Ok, ça n'a pas changé. Et donc, tout de suite, unité de décision 144. C'est pas grave, tant pis, on va démarrer. Et 13-7. Notes. Positive climb. Get up. Hop, ça c'est bon. Taxi sur off. On va mettre les packs sur auto. Ok, et... voilà. Suivre le FD. Autobrake sur off. Flaps one. Barreau sur standard. Flaps up. Et autopilot sur on. Hop. Data. Tout de l'extérieur. Voilà. Donc il reprend l'altitude tranquillement, donc c'est parfait, nickel, hein, j'ai enlevé ça. Voilà. Puis pour la prochaine fois donc sur la chaîne j'essaierai de vous faire un vol un welcome on board, mais sur un long vol, j'espère très prochainement. Je vais essayer de vous préparer ça. Je vous promets rien, mais je vais essayer de vous préparer ça pour au moins la sortir avant la fin de l'année. J'essaierai de vous faire ça. Et puis sur MFS, c'est même pas la peine. J'ai même pas envie de faire de vidéo parce que c'est une catastrophe. Avec la dernière mise à jour, là c'est vraiment une catastrophe, donc du coup j'ai décidé
d'abandonner ce simu parce que franchement moi ça m'énerve. La 320 de Asobo il est complètement cassé et même avec le correctif de fly-by-wire c'est une catastrophe aussi, donc pour l'instant, surtout avec le pilote automatique. Donc pour l'instant je fais pas de vidéo sur MFS parce que c'est vraiment une catastrophe. Je préfère vous prévenir, donc si vous n'avez pas de vidéo sur la chaîne c'est tout à fait normal jusqu'à que MFS soit beaucoup plus déjà premièrement performant et avec un meilleur système de pilote automatique, sérieusement ça n'a pas la peine. Je préfère vous prévenir. Donc pour l'instant on fait du P3DB5 tranquillement. Et je sais que ça vous plaît donc. Continuera sur P3DB5, ça c'est pas un problème. Donc c'était la petite annonce que je voulais vous faire. Et donc très prochainement aussi il y aura un petit concours donc, sur YouTube et sur mon Discord, donc surtout n'hésitez pas à checker le lien Discord sur ma chaîne. Et on va monter un petit peu voilà 3340. Et voilà, et puis nous on va se quitter pour se reprendre tout à l'heure, juste avant l'approche sur Bruxelles. Donc à tout de suite les amis. Et merci à vous de continuer à regarder ce vol commenté jusqu'à Bruxelles en 737. Et nous avons amorcé notre descente depuis un petit moment. Et pour y effectuer une approche ILS 25 droite avec une arrivée sur Arvol 7 Alpha avec une transition de level à 4500. Et comme vous pouvez le constater, un temps très agréable à l'arrivée avec très peu de vent, donc rien à signaler pour le moment. Et nous poursuivons notre approche. Donc notre vitesse elle est bonne, 220 nœuds. Ça m'a l'air bon. Et on doit atteindre le point Bruno et être à 3000 pieds sur le point Bruno. Voilà. Et faire après un dernier virage pour s'aligner et se présenter sur la piste ILS 25 droite. Alors on va mettre autobreak 1 pour être tranquille. Nos vitesses sont bien rentrées, nos vitesses d'approche. Ça m'a l'air tout bon tout ça. Alors j'ai augmenté un petit peu le volume de mon micro parce qu'apparemment lors de la dernière vidéo et même je me suis rendu compte
que c'était pas assez fort. Donc du coup je l'ai augmenté un petit peu. J'espère que c'est pas trop fort non plus. Donc on va voir après ce que ça donne, mais normalement ça devrait le faire. Alors les landlights sont ok. Et poursuivre donc notre descente. Alors je sais pas ce qu'il m'avait fait, mais il avait pas suivi le LNAV, donc du coup j'ai dû reprendre un manuel, ce qui est un peu problématique. Mais bon, là il descend tranquillement, tout est tranquille, on a un très beau temps. On va faire une petite vue extérieure pour voir un petit peu. Magnifique, vraiment magnifique. Hop, capture d'écran. La région est pas mal. Bon, après ça vaut pas FS 2020, mais bon. Alors ce que j'aime pas avec la nouvelle mise à jour, c'est des reflets au niveau du terrain. Normalement ça doit être les runways ou les taxiways qui doivent avoir du reflet, mais pas le terrain. Donc, je pense que c'est un problème de RBX, ça, je crois. Ah oui, j'ai oublié de mettre. Alors, donc BBR 1019. Voilà, et nous allons rentrer notre altitude de décision qui est de 302. Hop. Voilà, jusque là on est parfait. Allez, speed break sur armée. On va descendre un peu plus vite. Et réduire à 200. Voilà. Donc il nous restera 3 tonnes 6 de carburant, c'est bon, on est bon. C'est magnifique. Magnifique, vraiment magnifique le terrain. Allez, on va tout de suite tourner. On va se mettre à 180 et flaps one. Ok, on va mettre le lock. $2,500.
Et 2500. Hop, je vais mettre mes pieds sur les pédales, ce sera mieux. Voilà. Et flaps tout. Flaps 5. Flaps 10. On est plutôt pas mal. Ah, il a capturé le lock. On va réduire à 160. Et on sélectionne le mode approche. APP. Nickel, donc on continue comme ça, c'est parfait. Donc tout est ok, je vais mettre les charts. Bon, map. On est un petit peu en avance hein, sur le... Mais c'est pas grave. Casinoxy, belt ok, ça c'est nickel. Ah, je vois l'aéroport. J'ai des petits lags, à mon avis, je pense que c'est la scène qui est en train de se charger. Donc c'est bien la scène de Just Sim qui a été développée avec Digital Design pour Bruxelles. Alors, on va venir dans un instant sur le Glasslop.
dans quelques instants. Nickel, je vois la piste. Allez, gear down. Et flap fuel. Allez, on prend manuel. Donc AT des armes, autopilote off. Ok, nickel. One thousand. J'ai un petit peu de travers. Trop bas, voilà, là c'est bien, là je continue comme ça. Approaching minimums. Terrain. Minimums. Continue. 50. Thirty. 20. 10. Les reverse. Et voilà, nous sommes à destination Bruxelles Airport International. Parfait. Allez, on va spawn à, on va dégager à droite. Je crois, il me semble, le cargo, je sais plus où c'est. À droite. Allez, c'est pas grave, de toute façon on va à droite. Mais je crois que c'est ça. Hein. Allez, flaps up. S'arrêter. Là, hop, on va mettre la PU. Voilà qui est fait. Et c'est reparti. Alors, où est-ce qu'on va spawn ?
non, pas spawn, qu'est-ce que je raconte moi, où est-ce qu'on va se parquer, je veux dire. Aéro, tu racontes vraiment n'importe quoi. Hein. On va enlever on va mettre sur steady, voilà. Strobe. Alors, donc ici on a quoi? Là c'est 900, ok. On va prendre 900, 902. Allez, hop. Un petit lag histoire de. Ah, j'aime pas cette vue. Bon, j'y étais presque. Hein. Allez, parking break 7. Je me mets sur l'énergie de la PU. Et on éteint les moteurs. Et cut off. Collision off. Tac. Hop. Et les foot pompes sur off. Et c'est parti pour le déboarding. Voilà. Doors. Open. Et eh bien voilà, chers amis, nous sommes déjà arrivés à destination. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Voilà, donc le déchargement se fait. Alors, petite vue peut-être sur sur l'aéroport. Voilà, avec un petit monument de Bruxelles. Un grand, je veux dire. Les personnes se reconnaîtront et les personnes qui habitent en Belgique connaissent, à mon avis. Je me rappelle plus ce que c'est. Voilà. Hop. En tout cas, j'espère que ce vol vous a plu. Donc, pour la prochaine vidéo, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera un long haul. Je ne sais pas quand, mais ça sera un long haul. Voilà. Sur P3DV5. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et quant à nous, je vous dis, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très bientôt sur la chaîne Aéro 3D. Allez, ciao, bye.